Et bah c'est parti. Biche. Ouais, ok, d'accord. Ouais, ça va. Ah, on peut pas courir très vite. En avant. On peut trotter. Qu'est-ce qu'ils ont fait à cette pouf? Peut-être. Trotter légèrement, en fait. Trottiner. Avec une trottinette. Attends, 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 je suis en train de m'enfermer là quand même. Non. Allez, je vais faire avaler mon épée. Ouais. Tu peux essayer. Ce côté, c'est parfait. Je peux pas, ah, putain, c'est. Oui, je pense que. Honneur et banane. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Oh là là. Voilà. Ça y est, ça recommence. Bon, il y a un donjon, on va l'explorer, on va pas être con non plus. D'accord, on peut pas l'explorer pour l'instant. J'ai eu peur, mais c'est vrai que j'ai la pub des anciens où justement il faut faire des interactions. Bon, ça va, c'était tranquille. C'était tranquille. Alors, c'est où le suivant? Hein? Ah non. Bon, parfait. Bonjour. J'arrête de ramasser des trucs. Je me suis promis que j'allais arrêter de ramasser 50 milliards de trucs. Ça va, il restait pas grand chose finalement. On avait fait le plus gros.
personne n'est où. Ça se termine jamais hein. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai monté. Attention, sens de sorceleur. Attention. Oui, j'ai monté plus que de raison. Hein? Il y a quoi là-dedans? Tiens. Magnifique, ça m'a amélioré. D'accord. Parfait. On a bien fait de se perdre. Tac tac tac. Ah oui, tiens. Un petit peu d'argent sur lui. Les quêtes. Alors, quête principale, on m'a dit ouais, non, fais pas, machin, gnagna. Ah vache, il y a plein de trucs là. Hein? On avait débloqué plein de trucs, effectivement. Alors, hop! Plein de quêtes nulles. Vache, la fatigue d'un homme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais à ton copien? Ah non, 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 je veux rien savoir. C'est bien, Ablette. Génial. De la gnôle naine. La puanteur est typique. Voilà la bouteille. C'est ici que Muggs a été attaqué. Mais il s'appelle Muggs. Ma biche. Bon, on revient. Donnez-moi les documents, voleur. Moi, un voleur? Je les ai gagnés aux cartes, à la loyale. Ce n'est pas ce que dit Muggs. Il prétend qu'on l'a volé. Il perd. Il veut que je lui rende les papiers et quand je refuse, il me flanque un grand coup de bouteille sur le crâne. J'ai failli y passer. Ah ! Vous les avez gagnés aux cartes. Prêt à les remettre en jeu ? Vous êtes en veine, on dirait. Profitez-en tant que ça dure. Vous avez peut-être raison. Jouons. Allez ! C'est comme ça que chez moi on règle les problèmes. Là c'est parti, je vais te faire mettre ta tempe de tes beaux jours, tu vas voir. Ah, yes. Ça on va le retirer, ça c'est peut-être plus important, oui. Allez, c'est parti. À vous, Jean-Michel, à vous. Et hop, deux cartes de plus.
Hop! Lâchez! Oh là là, salut. J'ai plié le genou. On va le connaître. Ouais, il vaut rien ton perso là, il vaut rien. Il a plus que 3 cartes. Hein. Ah, je baisse de 4 lui. Si je fais ça, je me baisse de 4. Et si je fais ça, je me baisse de 4 aussi. Donc ça va tout dans l'eau. Dans l'eau, mais on va le faire, tiens. À la photo. Bah, on va passer notre tour, ça en a gagné. Et hop, on pioche une carte. En plus, ça va compétence. Oh, oh mon dieu. Non. Paf! Bon, vas-y, ça sert à rien d'insister, hein. Il est vraiment... Manifestement, il est vraiment nul. J'ai gagné. Ça va, je suis pas aveugle. Prenez ces saletés. Et qu'on n'aille pas dire que je suis pas honnête. Loin de moi l'idée de colporter une chose pareille sur vous. Ah, you, mon cheval. Allez, hop. Oh, le petit saut de cabri. Hop, le chat, je l'écrasbouille. Le village des greffiers. J'ai trouvé celui qui vous a volé vos documents. Impossible. Allons-y. Vous le tiendrez pendant que je reprends mon bien. Duc, l'homme affirme qu'il ne vous a pas agressé, mais qu'il vous a battu aux cartes. Le petit fumier. Et comme disait Tante Rosalie, les mensonges, ça court jamais bien loin. Les documents appartiennent à mon employeur. L'acte de vente d'une maison de Novigrad. C'est vrai. J'avais bu, je me suis laissé emporter et... Voilà. J'ai perdu les documents aux cartes. Con. Et vous avez cogné le gagnant avec une bouteille. Et quel choix j'avais? Il refusait de me les rendre. En voyant ce salaud sortir une arme, j'ai filé. Mais sans les papiers, pas question de rentrer à la maison. Tenez, maintenant payez-moi. Évidemment. Voilà tout ce que j'ai. Les bons comptes font les bons amis. Oh, je suis un point d'expérience. Et 20 couronnes. C'est vraiment une mission de plus. Allez. Mais bon, fallait s'y attendre.
Alors... Oula. C'est pas à côté, hein. Je trouve un... téléportation... Non, non, mais vas-y, fonce. J'évite de, d'écraser les mecs, mais c'est de... Tranquille. Descends de la montagne à cheval. Je me disais au bout d'un moment. Du nerf, Hamlet. Ok. En mode je m'en branle, quoi. La maison a été ravagée, mais le cercle magique est intact. On dirait bien un portail verrouillé. Je me demande si l'un des objets des ramasses peut l'ouvrir. Bien qu'elle ramasse, c'était tyromancien. Hein? Il y a un accès ici. L'épreuve des fromages, les émirs va adorer. Difficile de faire pire. Inconnu.
si vous voyez rien, c'est normal, moi aussi. Hein. Sympa là. Ça va être rien ici. C'est bizarre. Ah ah. Principal, sinon ça va gueuler. Hop. Ça a l'air d'être là visiblement. Ouais, là c'est là on est tombé. Ok. Jusque là ça va. Là on est tombé, là on était tout à l'heure. D'accord, et là c'était le fameux endroit. Les brumelins sont immunisés à la puanteur des vieux fromages. Ça va bien à l'envers. Tatar! Chose. Ah là, il y a des trucs. Attends, il n'y a pas des ennemis au moins. Faut pas déconner. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il évite, Gérald, hein. Oh la vache. Il y a quelque chose ici. Où est l'artefact? Ah ah! Là, il y a un portail, on s'en fiche, il y a quand même plus important derrière. On va faire un petit pot de tout ça parce que ah, c'est déjà une de 24 que j'ai. Objet magique, ok, d'accord. Ça fait moins de dégâts, moins de dégâts, moins de dégâts, moins de dégâts.
Pour ça, c'est pas loin, hein, mais. Mais c'est moins bien, ça reste pour moi. Et ben, on peut faire une Sama améliorée, tiens. Merde, du coup, j'ai pas assez pour faire le. C'était soit le Sama amélioré, soit l'huile. Merde. Bon, on marque le Sama amélioré, c'est peut-être. Un genre de caveau. Voyons ah, ça. Ah, mais c'est pas fini en plus. La barrière magique est toujours là, il faut que je la désactive. Je devrais utiliser l'œil de Néaline. J'ai désactivé la barrière. Si cette épée est aussi mortelle que les fromages des ramasses, je suis preneur. Je pourrais la baptiser Emmentaler. Il est sérieux? Alors, fais voir Emmentaler. Oh! Dégâts de feu. C'est Shining. D'accord. Celle que j'ai. Non, c'est une épée en argent, j'imagine, je suppose. En acier, d'accord. Une épée en acier actuelle. Ouais. Ouais, elle est mieux là, mon épée en acier actuelle. Que ça, ce qui me fait chier, c'est que ça justifie pas le plus 6 dégâts, quoi. Allez, on a fini la quête. Faut partir, faut que je parte par là. C'est bien. Il a bien. Oh, il a 2 points disponibles. Alors. Tape fort. D'ailleurs. Ça, c'est quoi ça? On peut le mettre là, d'accord. C'est pas inintéressant de le mettre ici. D'accord, est-ce que je peux passer s'il vous plaît? Merci. Allez, on sort de là. Sympa à vendre. Hein? Vous êtes sérieux? Non, mais non. Mais faut sortir par où? Oh, putain, c'est pas vrai. Je suis perdu. Oh, il peut plonger! Oh, c'est classe! Je savais pas. Vas-y, vas-y, vas-y.
Parfait. Excellent. C'est excellent. Ok. Allô? Allez, c'est parti. Ouais. Vous avez tous les schémas à l'école du chat machin, là, ils m'en donnent un. Verpure de verpure. Il est là, Blette. Ouais. Bon, mais il y a un truc juste après. Ah, ah oui, d'accord, du coup, on a vraiment fini la quête là. Du coup, on passe à autre chose. Ok. Fil en aiguille, parlez au superviseur. D'accord. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh! Oh, c'est classe! Oh, il est comme un fou le jeu. C'est Assassin's Creed ce jeu. Regardez. Oh, c'est Assassin's Creed. Attention, je suis la justice. Regardez, il est mort. Il est nul ce sorceleur. Il peut. Elle était où la botte de foin là? J'espère que c'est pas très loin derrière sauvegarde parce que. Ouais, chier. Tu vas mourir pour ce que tu as fait. Je n'ai rien fait, messieurs. Que se passe-t-il? Ce Dwin a vendu du fistec à de jeunes elfes, un lot contaminé qui a tué la moitié des consommateurs. Mensonge! Ils veulent me tuer pour me voler mon or! Aidez-moi, de grâce! T'es un marchand de poison. Dommage que t'aies pas vu tes victimes se contorsionner de douleur avant de mourir. Misérables elfes, vous méprisez les humains, vous cherchez à vous venger sur nous! Est-ce ma faute si votre civilisation a périclité? Ta gueule, empoisonneur! Sans preuve que cet homme a vendu du fistec, contaminé ou pas, je ne vous laisserai pas le tuer. Dans ce cas, tu mourras avec lui, Vatgern. Dommage que tu aies croisé notre chemin et pris son parti. Merci, sorceleur. Maudits elfes. Tous les prétextes sont bons pour me voler. Tenez, c'est pour vous. En gage de ma gratitude. C'est tout? C'est tout? Ah non, c'est rien à voir avec la quête en question. Tant pour moi. La porte du midi, con. Je n'aime pas trop qu'on vienne fureter par ici. Tiens donc, vous n'avez pas besoin qu'on vous débarrasse d'une bête. Je suis là pour l'annonce. C'est le superviseur Lund qui l'a affiché. Il y a bien une bête qui rôde dans les faubourgs et qui massacre les gens. Ils n'osent plus sortir de chez eux la nuit. J'ai l'intention de chasser ce monstre. Va falloir faire vite dans ce cas. Il y a déjà un autre type sur le coup. Qui a accepté le contrat? J'ai pas vu le type. On
m'a dit que c'était une espèce d'aventurier téméraire. Quand a-t-on trouvé la dernière victime ? La nuit dernière. Hubert, un mendiant qui faisait tort à personne. Je le laissais parfois dormir dans cette cabane sur la droite. Le stage n'est pas encore venu chercher le corps. Il est resté où je l'ai trouvé. Ah ! Il y a des témoins de ces attaques ? Non. Rien que des cadavres. La bête apparaît que la nuit. Elle choisit des victimes isolées. Ouais, d'accord. Merci. Au revoir. Alors, c'est loin ? J'imagine que non, ouais. Tiens, tiens, encore une horreur. Ah, merde. C'est dans le cabane, en fait, ça se passe. Bonjour. Oh là là. Rien à voir avec des marques de carquin ou de noctule. Du sang, mais pas humain. Le monstre était blessé. Plus une goutte de sang. Un vampire inférieur. La bière. Sans jeter un petit. Non humain, hein. Allez donc retrouver vos congénères dans les faubourgs. On dirait qu'il était affaibli. Il a suivi la côte en laissant peu de traces. Putain, vous... Oh. Vous perturbez mon enquête. Je vais vous foutre en prison, moi, au youf, là, pour abstraction. Les traces s'arrêtent ici. Voyons si j'en trouve de l'autre côté. Aha ! Hop ! Voilà. Tiens, on va bouger, on va cueillir ce qu'il y a en bas, là. Ça va être cool. Je sais pas c'est quoi, mais c'est cool. Ah, c'est du 2 points. Pour attirer des griffons. C'est parfait. Pas très pro, moi. Des cadavres de rats, complètement vidés de leur sang. Sûrement un Ekim. L'Ekim est sorti de l'eau ici. Voyons s'il y a d'autres traces. Bonjour! Salut, Lambert. Ça fait sacrément plaisir de te voir, Leblanc. Tu as décidé de chasser un peu à Novigrad ? Je croyais que tu détestais cette ville. C'est toujours le cas. Il se trouve que j'ai une affaire à régler ici. L'affaire dont tu parles, tu as besoin d'un coup de main ? Peut-être. Mais on en parlera plus tard. Une récompense nous attend. Je suis plutôt pressé. Alors disons que tu en as gagné la moitié. Allons-y. Ah ah ! C'est Christophe Lambert. Alors ? Ah merde ! Qu'est-ce que vous croyez ? Le travail est fait. Il est temps d'allonger la monnaie. Attendez ici. Je vais voir le superviseur. Je rapporte votre récompense. On peut s'en charger. Inutile de quitter votre poste. C'est pas faux. Allez-y. Vous savez qu'il n'a qu'une seule épée, lui. C'est un sorceleur clodo ou quoi ? On s'est occupé du monstre sur les quais. On vient chercher notre récompense. Des sorceleurs ? Et quand vous voyagez par deux ?
Beaucoup de dangers guettent les sorceleurs solitaires. À commencer par les bandits. Je vous conseille de changer de ton. Où est Jade Carradine? Parle. Qui? Crois-moi, Gérald, c'est important. J'ai besoin d'une information. Je ne connais aucun Carradine. Prenez votre argent et fichez le camp. Je connais un David Carradine. Où est Jade Carradine? Je te le demande pour la dernière fois. Garde, jetez-les au cachot. Tu as brûlé. Bâtard! Ça va se vendre, ça. Ce type est encore plus néfaste que les Kim. Carradine s'est envolé, je le jure. Et les autres aussi. J'ai d'informations que surviennent. Que sais-tu surviennent? Elle picole au Secha, de jour comme de nuit. Tu vois? Quand tu veux. Ah, cette fois-ci, il y en a deux. Il y en avait avec une, maintenant il y en a avec deux. C'était un meurtre. C'était vraiment nécessaire? Oui. D'autres gardes vont appliquer. Allons-y. Rejoins-moi au Secha, je t'expliquerai tout. La taverne que fréquente Vienne? Ouais. À plus tard. De la princesse machin, ouais d'accord, ok, une relique, ok, vas-y, ok, d'accord, ok. Salé. Alors c'est. Alors c'est quoi ces armes là de. On a récupéré là. D'accord. Bah écoutez, c'était cool. J'ai bien aimé. Alors, c'est toujours le même. C'est loin. Je connais, j'ai battu un an aux cartes ici. Je connais. Pas si vite, tablette. Non, c'est même pas un an d'ailleurs. C'était un humain. Mais... C'était pour un an. Oh là. Bon, il est grand temps de me donner quelques explications. Pourquoi as-tu tué Lund? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux toute l'histoire ou je peux abréger? Raconte-moi toute l'histoire. J'avais un ami. Il s'appelait Aiden. Toi, tu avais un ami? Il n'y a pas de quoi rire, bordel. Je l'avais rencontré peu de temps après avoir accepté un contrat pour lever la malédiction de l'ogre des Lander. On avait engagé Aiden pour le tuer. Il était un sorceleur de l'école du chat.
Si mes souvenirs sont bons, l'ogre est mort au bout du compte. Ouais. Après qu'il a étripé mon employeur, on n'avait plus guère le choix. J'ai conclu un marché avec Aiden. On a uni nos forces et partagé la récompense. Après ça, on a pas mal travaillé ensemble. Je ne connais personne qui lui arrivait à la cheville. Je t'aime bien, tu le sais. Mais il était incomparable. Que lui est-il arrivé ? Il y a quelque temps, Aiden a accepté un contrat pour lever une malédiction. Elle affectait la fille d'un duc. Sur le plan politique, c'était déjà risqué. Mais il devait en plus composer avec la haine vis-à-vis de l'école du chat. Une haine plus que méritée, ses membres étaient de vrais tueurs à gages. Mais Aiden était différent. Quoi qu'il en soit, certains courtisans du duc avaient des projets. Ils ne voyaient pas d'un bon œil qu'on lève la malédiction de son aîné. Des assassins chevronnés ont donc tendu une embuscade à Aiden et l'ont assassiné. Notre superviseur était l'un d'eux. Et Jade Carradine ? C'était leur chef. C'est lui qui a porté le coup de grâce. Navré pour ton ami. J'ai pas besoin de ta compassion. Il me faut juste un coup de main. Il faut qu'on parle à Vienne. Elle doit être assez éméchée à cette heure-ci. Allons-y. Mais quelle heure ? 10h du mat ou... Vienne. Qu'est-ce que vous voulez ? On veut voir Jade Carradine. Et pourquoi je vous aiderai ? C'est très important pour mon ami. Et qu'est-ce que ça me rapportera ? De quoi payer ta bière pour commencer ? Ensuite, on avisera en fonction de tes informations. C'est pas de la bière, c'est de la vodka, je crois. Sinon, c'est un galopin, dans un petit verre comme ça. Je faisais partie de la bande de Carradine, mais... ça remonte... je ne sais quand. J'ignore où on peut le trouver. J'ai plus de contact avec eux. En plus, il n'est plus en bon terme avec ses anciens amis. Il paraît qu'il a changé. Qui d'autre était dans la bande de Carradine ? À part moi, c'est Lise, Amand et Lund. Mais ils se sont éparpillés aux quatre vents. Célise est partie à Tretogor, Amand à Skellig et Lund... Lund est mort. Il a fini par trouver plus fort que lui. Bah, ça vous laisse que Amand ou Célise dans ce cas. Satisfait ? Elle ne sait rien. Il faut qu'on parle à Amand et Célise. Ne cherchez pas Carradine. S'il sent que vous le traquez, il vous tuera sans broncher. C'est ce qu'on verra. Quant à toi ! Fais ce qui te semble juste, Lambert. Je ne suis pas là pour te faire la morale. Fais ce qui te semble juste. Y a rien de pire qu'un meurtre de sang-froid. À part l'hypocrisie. Informateur ! Balance ! Raciste ! Vienne ? Bordel, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là pour moi, Varenne. Je t'avais dit que ça arriverait tôt ou tard. Ness et Eltre. Merde. Ah, encore des elfes à tuer. Tu dois m'aider, Gérald. Le mieux est de nous séparer. Rends-toi à Skellig et essaie de tirer quelque chose de Amand. Moi, je vais aller voir Célise à Tretogor. On se retrouve où, à mon retour ? À l'auberge de l'intro. D'accord. J'y vais. Bonne chance. C'est un pote sorceleur, je vais pas non plus... Mon âme aussi porte sa fourche dans le dos. Plus tard, je serai bouché.
Ah oui, c'est... cette map. Du coup, attends. Ah oui, c'est c'est où? C'est à Nevegan, non? C'est où? Bon, je sais pas où c'est. J'ai pas trop envie de quitter cette map en fait. Sacré vent. Bon, on verra plus tard. Allez, des bisous YouTube, salut.